Vas-y, Chacal, tu peux y aller. Ouais, vous voyez ce jeu de merde? Attention. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le voyez bien? Tu J'avais vois, promis à tout le monde que là ce tu jeu, je le tires en un. fracasserais devant tout le monde. Regarde. Hop Oh là! là 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 là! Oh là 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 là! Non! Appelez la W! Tout le monde. Eh, le jeu, il est même pas résistant pour 50 balles. Ils allaient au moins faire un truc résistant. C'est Daddy Glad et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, voilà, une vidéo pour mon premier camouflage en or. Alors comme vous l'avez vu, AW c'est fini, et oui, Chacal nous l'a cassé devant nos yeux. Voilà, il avait fait le serment, il avait dit qu'il le casserait devant nos yeux, il l'a fait. C'est pas un fake, je tiens à préciser. Et ben, pour le remercier d'avoir fait ça, de nous avoir débarrassé de ce jeu immonde, n'hésitez pas à le follow sur Twitter, voilà, ça lui fera très plaisir. Chacal du 01. Voilà, c'est fini pour les petites pubs. Donc là, on se retrouve avec le Locus. Alors, c'est mon arme pour l'instant favorite de ce jeu. Je sais pas pourquoi. Je crois que sur BO3, je vais me spécialiser sur les snipers. Parce que je prends vraiment du plaisir à utiliser les snipers. Et ben, je prends moins de plaisir à utiliser les armes du style mitraillette, fusil d'assaut et tout le bordel. Bon, le sniper est assez dur sur ce jeu. Et c'est ça ce qui me plaît. C'est que la difficulté me donne du plaisir, tout simplement. Voilà. Alors pourquoi ça? C'est juste que sur ce jeu, la difficulté avec le sniper est un peu plus compliquée. De par, je sais pas, on dirait que c'est un peu nouveau en fait. La façon de tenir le sniper et de, enfin, je sais pas, il y a une façon de jouer avec le sniper qui est différente que qu'on avait sur les autres Call of. Voilà, tout simplement. Et donc ces choses-là, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis, plus je me perfectionne, mieux c'est, et plus c'est beau ce que je fais, tu vois. Et donc là, j'ai deux classes. Donc ça, c'est ma classe de base que j'utilise en ligne d'habitude, voilà. Et là, c'est la classe que je vais utiliser, avec 5 accessoires et une lunette, que je vais utiliser pour réussir mon défi, donc le dernier défi qui me reste. Comme vous l'avez vu, j'ai tous les camouflages. Voilà, le jeu est sorti il y a 2 jours, et c'est bon, le mec, il a déjà tous les camouflages. Et ouais, les gars, et ouais. Enfin, depuis il y a 2 jours. Depuis un jour, il est sorti, officiellement. Après, moi, je l'avais un jour en avance, mais voilà. Voilà, le petit open kill qui passe bien. Franchement, ça passe bien. Ça passe toujours bien, l'open kill. Hop, là, la petite balle qui fail. Malheureusement, j'avais pas du tout l'habitude avec ce viseur, une sorte de viseur assez OG. J'avais vraiment pas l'habitude. Et là, vous allez voir que ce sniper, même au corps à corps, alors que je vise le torse, il fait un hit marker. Alors je suis déçu parce que franchement, là, voilà, j'aurais enchaîné, voilà, ça aurait pu se faire, tu vois. Mais non, le jeu m'arrête et me dit stop, tu arrêtes là, on va te mettre un petit hitmarker. Donc ça c'est dommage sur les snipers, c'est qu'ils mettent des hitmarkers même au-dessus de la ceinture, dans le ventre, ça met un hitmarker. À partir du moment où vous visez les pectoraux ou la tête, là ça commence à tuer. Si même vous visez un petit bout de casque, ça tue. C'est bizarre, mais voilà, c'est un jeu vidéo, c'est comme ça. Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc pour vous dire que le Locus, je le kiffe grave, c'est un super bon sniper. Alors j'ai eu l'occasion en classé déjà, enfin en arena, arène ça s'appelle, d'utiliser donc le nouveau sniper, qui n'était pas dans la bêta. Donc c'est le tout dernier qu'on débloque, level 58, ou... non pas 58, qu'est-ce que je raconte comme connerie, level 52 je crois. Ouais, on débloque level 52, le sniper, mais voilà. Alors, il est plutôt pas mal, mais bon, au moins, le sniper qu'on débloque niveau 52 ne fait pas de hitmarker et one shot la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps parce que si on vise dans les jambes ou dans le pied, voilà, ça va pas one shotter, c'est normal. La petite faille de ma part. Alors, je tiens à préciser que sur l'arme, du coup, j'avais mis donc un silencieux, une lunette assez OG, le processeur balistique, j'ai pas pu le mettre, donc j'ai mis tir rapide, malheureusement. Mais je trouvais qu'avec tir rapide, l'arme rechargeait moins rapidement. C'est bizarre, mais j'avais vraiment l'impression de ça, que l'arme rechargeait moins rapidement. Et du coup, ça me gênait. Souvent, ça me gênait. D'autres choses à dire. Voilà, d'autres choses à dire sur ce sniper. Donc, je le débloque en or. Aujourd'hui, je le débloque en or.
C'était ce matin d'ailleurs, je pouvais le faire hier soir aussi, donc ça aurait fait un jour le jeu, le mec il débloque déjà le sniper en or, voilà. Je me suis mis à fond sur le sniper, j'ai grave kiffé. J'ai joué avant avec les armes mitraillettes, tout ça, j'ai pas trop aimé. Pourquoi j'ai pas aimé, je sais pas, j'accroche pas du tout les mitraillettes sur ce jeu. Alors déjà, j'en ai discuté avec un pote, donc avec Chacal justement, que vous avez vu avant. Lui, il joue essentiellement à la SMG. Sur ce jeu, l'AR est dominante. Clairement dominante, les gars. La KN, elle est largement au-dessus. Alors là, je vais juste pas trop parler. Parce que là, j'augmente pas 106, je passe en 9. Et une petite collate. Pouf ! La collate, alors que j'avais le silencieux. Je me suis étonné moi-même. Sur le coup, je me suis dit, oh mec, j'ai fait une collate. J'ai pas compris comment ça s'est fait. Et voilà. Du coup, le petit enchaînement derrière, ça va être sympa. Vous allez voir que j'ai bien enchaîné. Donc, le petit kill, voilà, qui suit. L'autre petit kill qui suit. Et l'ennemi qui arrive derrière. Ouf. Voilà, l'enchaînement de 5 kills. Une petite sanguinaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, au sniper. Malheureusement, voilà, ça va s'arrêter là, comme ça. Malheureusement, je crois. Je crois bien, ouais, c'est ça. Il y avait un ennemi qui était planqué derrière le rocher. Donc voilà, je continue sur ma lancée. Alors, pourquoi je n'aime pas les mitraillettes et le reste? Alors déjà, je trouve dans ce jeu, on doit être très très hard. Pourquoi très très hard? Les joueurs. Alors là, j'ai loupé une deuxième collate, je tiens à préciser. Et j'ai encore fait un hitmarker. À retenir. Je trouve que dans ce jeu, ce qui est dommage, les gars, ce qui est vraiment dommage, c'est que les gens sont hyper campouses de la mort qui tue. Non mais vraiment hyper campouses. C'est-à-dire que les mecs, dès qu'ils peuvent se gâcher derrière les caisses, ils se cachent derrière les caisses. S'ils peuvent se mettre accroupis, couchés, etc. Donc là, le petit camouflage en or, camo félicité. Donc voilà, j'ai débloqué le locus au niveau maximum. Donc d'ailleurs, je vais le passer au prestige 2, puisque maintenant je l'ai prestige 2, level max. Donc voilà, je l'avais que level 11. Du coup, j'ai pas pu mettre d'autres accessoires que tir rapide. Je tiens à préciser parce que si les gens ils disent tu joues au tir rapide avec les. Non, j'avais pas le choix. Pour débloquer mes accessoires et mon camouflage en or, j'avais pas le choix. Donc voilà. Et je trouve que les mecs, ouais, ils campent énormément. Mais vraiment énormément. C'est fou. Alors je sais pas si vous avez déjà joué. Si vous avez déjà joué, je trouve qu'ils campent énormément. Et là, avec le sniper, donc on essaye de rusher. Il y a encore énormément de problèmes de connexion sur ce jeu. Je pense, j'espère, je croise les doigts, les gars. J'ai envoyé des messages à Treyarch et tout. Mais je sais pas s'ils vont me répondre. Enfin bref. J'ai remarqué qu'en quoi il y a encore beaucoup de problèmes de connexion et que l'équilibrage entre les joueurs il est pas fait. Déjà première game qu'on lance avec les potes, donc quand on a fait la nuit blanche et qu'on a fait le live donc nuit blanche de 24h sur notre site d'ailleurs, ce qu'on a fait c'est que première game, boum, on arrive, changement d'host. Donc là on se dit, alors ils avaient dit qu'il y avait des serveurs hybrides, mais en fait il n'y en a pas du tout. C'est à dire que là on tombe carrément sur la connexion d'un joueur, et s'il habite à Perpète au Mexique, je ne sais quoi, petite dédicace à Skyrose pour le Mexique, mais si, imaginons, voilà, il habite au Mexique, il a Lost, vous habitez en France, vous avez une connexion comme moi ou une connexion normale, vous laguez. Enfin, c'est pas que vous laguez, c'est que les mecs ils prennent plus de balles, alors que vous regardez leur cam quand ils vous tuent. Ils vous mettent à peine 2-3 balles. Et j'ai même vu des mecs me one. Bon, pas tout de suite avec la M8, parce que là, pour le moment, il y a peu de personnes qui l'ont. Mais avec des armes à rafale qui me one. Après, je dis bien, ils sont visés dans le haut du torse. Mais ils ont pas mis de mal pleine tête. Donc, c'est là où je dis que le jeu, voilà. Pour le moment, on attend énormément de mises à jour. Et j'espère que ça va être fait. Parce que je prends énormément de plaisir au sniper. Et surtout, ben voilà, je prends vraiment énormément de plaisir. Je vous fais des petits gameplays comme ça au sniper, et je pense que je vais me spécialiser dans le sniper. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas aussi à me dire, parce que voilà, j'ai le sniper en espace d'un jour en or, donc j'ai tapé tous les camouflages en espace d'un jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer, un petit tuto pour vous expliquer comment monter rapidement votre arme, votre sniper par entre autres, et surtout si vous avez besoin d'un tuto pour apprendre à bien utiliser sniper, c'est à dire savoir les accessoires, quels accessoires utiliser, les atouts, si je prends une arme secondaire ou pas, etc.
toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà, ça me ferait très plaisir de faire ça. Donc là, la game se passe plutôt bien. Donc j'avais le faucheur comme spécialiste. J'avais le faucheur. Pourquoi j'avais le faucheur? C'est tout simplement que c'était un des personnages que qui m'allait le mieux, tout simplement. Non, je sais pas, je l'ai utilisé comme ça. J'ai pas vraiment réfléchi, en fait. Je me suis mis le dernier spécialiste à chaque fois. Mais le spécialiste que je préfère, moi, c'est l'écorcheur. Pourquoi? Parce que le mec qui se jette avec sa lame vers l'autre ennemi, vers l'avant, vers l'autre ennemi, moi, ça me fait kiffer, quoi. Et du coup, comme je l'avais pas encore débloqué, j'ai mis le faucheur en attendant. Comme j'étais 2m38 là à ce moment-là. Attends, je suis 2m40. Mais 42 même plus. Enfin, voilà. Mais tout ça, voilà, ça me fait plaisir. Et surtout, donc les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et parce que je vous ai pas remercié, mais merci pour les 1000 abonnés. Là, on est 1004 abonnés, franchement, ça fait énormément plaisir. Je vais essayer de vous présenter des gameplays de vraiment de qualité. Voilà, on est aux 1000 abonnés, on fait plus de la merde. C'est pas grand chose, hein. Voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont plus. Je suis très expressif avec mes mains, je sais. Je suis comme ça. Donc je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont plus d'abonnés que moi, mais moi je tenais à vous remercier, les gars, ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent, qui se réabonnent, qui se désabonnent. Oui, excusez-moi. Qui se partent, qui se désabonnent, qui se réabonnent, etc. Donc je tenais vraiment à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout sur ma chaîne YouTube. Et puis, je compte faire bientôt une vidéo. Une vidéo de mon setup. Donc une présentation de mon setup, si ça vous intéresse, bien sûr. Et puis, même si ça vous intéresse pas, voilà, ce sera la vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc j'aurai pas le choix, voilà, ce sera comme ça. Alors sur BO2 et sur Ghost, je faisais des tournois avec les abonnés. C'est-à-dire que on se rejoignait en partie privée, on préparait les règles de jeu, etc. Et on partait au sniper, en jeu d'armes, etc. Et le tournoi était retransmis sur YouTube, donc moi je le prends le tournoi, je l'enregistre, et le lendemain c'est tout de suite sur YouTube, donc tous les participants ils se verront sur YouTube. Et puis moi je m'amuse à commenter pendant que vous faites le tournoi. Et le gagnant du tournoi, donc ça se passe sur 3 maps. Le gagnant du tournoi fait une vidéo avec moi. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais voilà, fait une vidéo avec moi sur YouTube, on se retrouve sur YouTube. Et puis on fait une game ensemble, voilà, tranquillement, filmé. Et puis voilà, tout simplement. Ça peut être sympa. Donc si ça vous intéresse, vous le dites dans les commentaires. Voilà, je veux participer au tournoi, je veux que tu fasses un tournoi, refais un tournoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire dans les commentaires, mais bon, c'est comme ça. Ça me permet de communiquer avec vous et de prendre du plaisir en même temps. Voilà, sur YouTube, moi, c'est ça ce qui me fait plaisir, c'est communiquer avec mes abonnés et puis savoir ce qu'ils pensent. Alors dans cette vidéo, j'ai fait du 21-25. Voilà, je suis un peu dans le négatif, mais c'est que le début. Voilà, ça fait 2 jours que le jeu est sorti, je fais du 25-5. Je pense qu'au sniper, c'est largement potable, surtout le 25-5. 21-25, pardon. Du coup, voilà, les temps de chargement. Petite chose à retenir, c'est que les temps de chargement sont hyper longs sur ce jeu. Pour le moment, alors s'il n'y a pas de mise à jour pour ça, c'est vrai que là, c'est hyper long. Là, vous le voyez, c'est grave long. Mais bon, on fait avec. C'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter. Je suis un peu sérieux, là. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Voilà, j'ai débloqué le camouflage en or. C'est une vidéo un peu pas sérieuse. Voilà, j'ai débloqué 2 camouflages. Le locus au level maximum. Je vais tout de suite mettre le camouflage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous n'avez pas encore vu les camouflages sur BO3. Donc là, vous voyez tous les camouflages. Et boum, voilà, le camouflage en or. Je vous prépare les vidéos pour les prochains snipers avec les camouflages en or. Et puis, la vidéo spéciale où on aura la vidéo aussi avec le camouflage en diamant. Vous inquiétez pas, les gars, je vais tout faire. Je vais tous les niquer, les adversaires, je vais tous les défoncer. C'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà, je vous présente donc le sniper en or et Prestige 2, donc avec le petit indicateur de kill. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, c'était Daddy Glad. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous fais de grosses bises. Je vous dis à la prochaine pour le setup. Voilà, cette semaine, ce week-end, je pourrais pas le faire, mais ce sera la semaine d'après que je ferai la vidéo setup. Voilà, je tenais à vous remercier encore une fois. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao, ciao.